Yo les gars, c'est Frasio, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo pour la présentation d'une équipe skill à moins de 20 000 crédits. Oui les gars, moins de 20 000 crédits pour une équipe énorme. Alors c'est une équipe constituée de joueurs brésiliens principalement, mais il y a d'autres joueurs bien sûr. On va tout de suite commencer sans plus tarder. En gardien de but on a Butland, le gardien classique des VPL. Il coûte pas cher actuellement, environ 1500-2000 sur PS4. Moi je l'avais acheté à 1800 il y a longtemps. Il est bon, vous le connaissez tous normalement, Butland c'est un monstre cette année. Donc pas la peine de le présenter. Défense 3, on a ici Moses, 4 étoiles, 2 gestes techniques. Moi je l'ai pas qu'en premier tenteur mais il coûte pas cher actuellement. Vous allez le trouver bien sûr en DLD. Mais si vous voulez, vous pouvez le transformer en DD avec des cartes consommables. Là les 4 étoiles de gestes techniques, 4 étoiles en mauvais pied, 84 de vitesse. Vraiment énorme. Alors pour la charnière, on a ici Eric Bailly, vous le connaissez tous normalement aussi. Il a été dans les futis et son prix a vraiment baissé actuellement. Il devrait coûter actuellement entre les 2000 et 2500 crédits. En plus il est bon, voilà, c'est 82 de général, 83 de physique, 82 en défense et 81 en vitesse. C'est l'un des meilleurs DC régulars du jeu. Donc voilà, il est vraiment bon. L'autre défense centrale, c'est Gabriel, qui coûte pas du tout cher celui-là. C'est un défenseur normal, donc il n'y a rien de spécial, mais il fait l'affaire. Son point fort c'est qu'il mesure 1m87, donc très très bon dans les ballons aériens. Sinon pour le défenseur gauche, c'est un brésilien, Azevedo, 4 étoiles, 2 gestes techniques, 81 de vitesse, 79 en physique. Vraiment bon pour son prix, il coûte pas cher du tout, moi je l'ai eu à 550 crédits. Pour un DG 4 étoiles, c'est vraiment monstrueux les gars, il va vraiment vous faire plaisir. On passe tout de suite au milieu, sans trop. On a deux joueurs avec 5 étoiles de gestes techniques et un joueur avec 4 étoiles de gestes techniques. On va commencer par le premier joueur avec 4 étoiles de gestes techniques, c'est Oscar, l'ancien joueur de Chelsea. Il coûte un petit peu cher, mais il est indispensable pour le collectif, vu que c'est un Brésilien. Geste technique 4 étoiles, mauvais pied 3 étoiles. Il est bon en dribble, bon en passe aussi. Donc voilà, c'est vraiment indispensable pour le collectif. L'autre milieu central, c'est un joueur argent, c'est Alan Zinho, le Brésilien avec les 5 étoiles en geste technique. 80 en dribble, 70 en vitesse. Meilleur pied, pied gauche. En attaque, c'est un rendement moyen. En défense, c'est un rendement moyen aussi. Donc voilà, il coûte vraiment pas cher. 300 sur PS4. Sur Xbox, ça devrait être pareil. L'autre MC, c'est Giuliano. Giuliano, vous le connaissez tous normalement si vous avez déjà eu des équipes skill. Même des, je sais pas, même des petits joueurs skill. Plusieurs youtubeurs français ont fait des vidéos sur Giuliano, dont Axo Skill. Et ils l'ont vraiment kiffé. Donc voilà, Giuliano. 850 sur PS4. Il est vraiment pas cher du tout. Avec ses 82 en général, 81 en vitesse, 5 étoiles de technique, ça c'est vraiment sûr. 83 en dribble, donc voilà, vraiment très 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 bon pour les techniciens. On passe tout de suite à l'attaque. On va commencer par l'avant-centre droit, c'est un joueur aussi argent. C'est Ilcinho, ou Ilcinho, je sais pas comment on dit. 72 de général, il coûte un petit peu cher, c'est vrai, 1600, mais voilà, il est vraiment très très bon. Geste technique 5 étoiles. Son point fort, c'est qu'il a un rendement en défense élevé et en attaque aussi élevé, ce qui le rend vraiment super fort. Il va vous aider défensivement et offensivement, c'est vraiment parfait. Donc voilà, il joue en MLS et faut des Brésiliens pour le placer. L'avant-centre gauche, c'est bien sûr Douglas Costa, le joueur du Bayern. Alors c'est vrai qu'il est un petit peu cher, c'est vrai, oui, mais voilà, c'est vraiment un joueur kiffant pour des équipes skill. C'est le joueur le plus cher de l'équipe, mais il est vraiment énorme les gars. Cette année, je l'ai vraiment kiffé. 92 en vitesse, non mais il va vraiment casser des reins. Donc les gars, on va tout de suite passer au dernier joueur de Squad Builder. C'est bien sûr Gabriel Jesus, la pépite de Manchester City. Avec ses 5 étoiles en geste technique, c'est vraiment très rare de trouver des buteurs avec les 5 étoiles en geste technique. Et en voici un. Il a une carte up un petit peu plus chère, mais bon, je crois que celle-ci suffit largement. En plus, il a un rendement élevé en attaque et aussi un rendement élevé en défense. Donc voilà, lui aussi, il va vous aider offensivement comme défensivement. Et en plus de tout ça, il y a les 4 étoiles au mauvais pied. Ce qui veut dire que vous pouvez tirer avec n'importe quel pied, que ce soit le pied gauche ou le pied droit. Et comme entraîneur, je vous conseille de mettre Clever Lip, je connais pas, mais voilà, c'est un entraîneur brésilien. Et comme l'équipe est brésilienne, il faudra un entraîneur brésilien. Bien sûr, pour le dispositif, c'est un 4-3-2-1. Bon les gars, maintenant je vous laisse regarder quelques occasions et buts inscrits avec cette équipe. Si cette équipe vous a plu, n'hésitez pas à lâcher votre pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à partager un maximum. Bref les gars, c'était Frasio et peace.
Prends tes distances d'âme, si tu nous approches ça va te faire mal. Quand t'entends mes sons, moi tu dis pourquoi tu mens en disant que t'aimes pas. Maintenant l'ami fait écoute mon rap du bonheur quand je me retrouve dans tous les snaps. On va faire le boulot pour que ça snap.